Courage, c'est de la connerie, ça. Ah, quand quand t'es en poste, tu balances pas les trucs comme ça, ou alors, non, ça se fait pas. Ouais, vous, vous, ça s'appelle cracher dans la soupe. Vous, voilà, et vous, voilà, ici, bah, on va le faire, voilà, on va voir si vous avez, si vous avez des cojonettes. Chacun, balancez un truc, voilà, sur quelqu'un de l'émission, ou sur l'émission, ou sur moi, allez-y. Et ben voilà, vous êtes encore en poste, Moi, et on verra si vous serez là demain. Okay. Et ben voilà, et ben, on va le faire. Et ben voilà, les gars, parce que ça parle beaucoup. Hein? Alors, à la même, on va faire, on va faire, on va faire un tour de table, chacun. Nous, on le fait tout le temps, on ne peut pas nous taxer. Vous allez balancer sur, ici, sur ce qui se passe ici. Parce que vous avez dit. Alors, Valérie. Eh bien, il faut arrêter de faire pipi dans votre loge, dans la poubelle. Nous, il faut arrêter maintenant. Ça suffit, si. Ah, ça commence fort. Julien Courbet. Vous avez un jour sacrifié une bouteille d'Orangina en vous arrosant ce que je pense avec. Je l'ai vu. Je suis pas sûr que j'aurais dû faire cette séquence, moi. Vous savez quoi? On va faire beaucoup mieux. Je vais vous virer, vous écrirez un livre après. Hein? Je pense qu'il a raison, le Castaldi, là. Vous, allez-y, Jean-Michel Maire, balancez un truc sur l'émission. Les audiences augmentent d'année en année, et on n'est pas beaucoup augmenté. Non, mais ils disent ce qu'ils pensent, c'est bien, et ça changera pas. Ah, ça, je m'en doute aussi. Dans certaines émissions, il y a plus de divertissement que de médias. C'est-à-dire que le curseur entre médias et divertissement, quelquefois, bascule. Lui, il est chiant, même quand on est là. Il y a toujours un relou dans la classe. Et ben voilà, nous, là, c'est le relou. Oh là là. Eric Amoulet. Moi, je viens d'arriver, vous êtes sympa. Attendez, je vais me faire bien voir quand même. Mais non, qu'est-ce qu'il y a? Des fois, la dernière minute, on vous appelle pour être sur le plateau. Des fois, c'est le bordel à la maison. Il faut vite que je m'organise pour venir. Voilà, c'est un petit détail. Ah, on vous appelle à la dernière minute pour que vous veniez? Bah, des fois. Bah, ouais, mais bon. Attendez. Déjà, et si le vous rose qui vous appelle? Oui, voilà, bon, allez. Non, attendez, allez. Oh, ça va? L'autre, on doit la prévenir à moi à l'avance. Non, mais c'est ça. Est-ce que tu penses que tu peux faire l'émission le 15 mai, Erika? Non, mais elle on descend de minutes. C'est demain, pas ici, ici, hein. Alors, oui, madame. Et Laura, j'en ai assez que vous et Jean-Michel Maire fassent caca en même temps. Dans les mêmes toilettes. Ah oui. Oui, vous chiez ensemble tous et les deux. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, non, là, vraiment, c'est là... C'est pas très élégant, mais moi, ça me saoule. Vous exagérez, là, vraiment, vous exagérez. Parce que c'est double odeur. Ouais, ouais, bah, c'est bon, c'est bon. Pour les copains derrière. Non, mais c'est bon, c'est bon. Alors ça, ça suffit. En plus, c'est pas moi, hein, je vous le dis. Isabelle. Eh ben, du coup, ça m'a fait me souvenir d'un truc que j'avais complètement oublié. Ça y est, on a, hey, on a réveillé mamie. Ça fait 5 ans qu'elle dormait. Elle a retrouvé la parole. Eh ouais. Alors, mamie, vous êtes souvenue de quoi? Alors, attendez, bah, on va la laisser. Vous remettez tout ça dans l'ordre, parce que je sais que là, si ça part comme ça, ça va être n'importe quoi. D'abord, on va écouter Gilles. On peut vraiment balancer un nom comme ça? Vas-y. Alors, moi, c'est le producteur, concepteur, créateur d'émission Nourdine, le nouveau, là. Ouais. Alors, lui, j'ai 50 SMS par jour. Ouais. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé, t'aurais le plume dans le cul, tu te baladeras en tutu, ça te dérange pas d'être à poil. Il y a un truc sadomaso, ça te va? Non, mais 15 par jour. Nourdine, oh, on se calme. Nourdine, que j'embrasse. Mon frérot, Nourdine. Nourdine, c'est un ami de très longue date qui travaille avec nous maintenant. Les coronets, c'est contre le patron en général. Ouais, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Les coronets, c'est contre le patron en général. Non, mais alors, oui, mais Nourdine et moi, c'est pareil. Hein, on est comme ça. Hein. C'est la même équipe. Alors, vous, Isabelle.